trouver une place dans un laboratoire pour se faire tester. C'est parfois compliqué, nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler. Mais le dépistage du Covid-19 peut aussi se faire sur votre lieu de vacances, par exemple sur le bassin d'Arcachon, Hélène Terzian. On était parti pour aller à la plage, on a vu qu'il y avait un dépistage gratuit, on s'est dit bah, pourquoi pas en profiter. C'est en tongs et maillot de bain que Bastien et sa belle-fille Ayana patientent devant le barnum installé sous les pins de la plage. Allez, on y va, là, on va aller se faire tester. Ça me fait pas peur, c'est comme une attraction. Une attraction gratuite qui nécessite seulement un numéro de sécurité sociale. On va mettre un petit coton-tige dans le nez. Encore, et c'est fini. Ça va, ma grande? Allez, passe de bonnes vacances. Très gentil. Ah, voilà, donc on a fait le test. Bon, si, on va y penser pendant 48 heures, le temps d'être sûr qu'on n'est pas positif, quoi. Mais après, ça nous rassurera. Il faudra quand même porter les masques pour aller au magasin. Voilà. Ne jamais baisser la garde, surtout dans une région qui compte plusieurs dizaines de clusters. C'est tout l'objectif de ce centre de dépistage, insiste Julien Rossignol, directeur de l'hôpital d'Arcachon. Les vacances, c'est aussi un lieu de relâchement. Et nous, on souhaite véritablement être bien positionnés ici, parce que la population quadruple sur le bassin d'Arcachon l'été. Et donc, c'est pour nous une zone particulièrement stratégique. Un autre centre de dépistage est installé à la gare pour cibler les vacanciers. Ce dispositif devrait être maintenu tout l'été. Arcachon, Hélène Terzian, Europe.